C'est l'ange. Me dérange pas. Occupe-toi de tes affaires. Tu n'aideras pas. Non, ignore-moi. Su, j'ai une question au sujet de l'état d'Enya. Quoi? Les ingénieurs de Xion ne peuvent-ils pas l'aider? Non. J'ai entendu dire qu'il manque de tout. De technologie, de fonds, de ressources de base. Tenter quoi que ce soit ne fera que leur compliquer les choses. Ok. Je vais en parler à notre ingénieur sur le champ. Quoi? Qui est-ce? Un ange? Un vrai? Je croyais que c'était que des rumeurs. Ça me concerne pas. Tu peux partir. J'ai rien à te vendre.
Si elles apprennent que tu es ici, les sentinelles pourraient revenir et s'emparer du reste. Tu m'entends? Va-t'en vite! Maintenant! L'ange? Je n'arrive pas à croire que l'ange est ici. C'est toi qui tiens cette boutique? Oui. Pour le moment. Adam m'a envoyé chercher le nouveau panneau de contrôle de la propulsion. Alors, est-il prêt? Il est prêt. Et j'en ai même un de rechange. Bon à savoir. Alors, combien est-ce que ça va me coûter? Oh, non. Toi, prends-le. On m'a dit que tu étais là pour nous aider. Alors, je compte bien t'aider moi aussi. Vraiment? Bon, alors j'accepte. Merci. En retour, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Non. C'est juste que, on dirait que quelque chose te tracasse en particulier. Ah, tu crois? J'imagine que je ne peux rien te cacher, l'ange. Tu m'expliques ce qui s'est passé? D'accord. Un jour, alors que je travaillais dans la plaine des déchets des terres désolées, je me suis retrouvée face à des Naitiba. J'ai dû abandonner ma moto et ma sacoche afin de m'enfuir. Des morceaux de ferraille entravaient la moto. C'était elle ou moi. Au final, je l'ai laissée. Une moto? Est-ce que tu connais sa localisation? Je dois aller dans les terres désolées. J'irai voir ça au passage. Oh, merci beaucoup. On dirait que c'est animé par ici. Très bien. Bon, regardons l'histoire de certains habitants. On dirait que je vais devoir enquêter davantage. Alors, pourquoi refuser d'aller dans le berceau? L'unité de contrôle est en bas près de l'ascenseur de la chambre. Un chat sur terre? Et après la chambre de prison. Ah, contente de te voir, l'ange. Tu ne sembles pas très agréable. Tu es plutôt rusée. On me l'a déjà dit. Les gens me comparent souvent à un serpent. Je suis Roxane. Considère-moi comme une infotrafiquante. Infotrafiquante? Oui. Info pratique, ragots, chantage, peur, faiblesse. Je touche un peu à tout. Oh l'ange, j'aime ça. Tu es vraiment ma cliente favorite. Thank you.
C'était sympa, l'ange. À bientôt. Bye bye. Bon, prends soin de toi, Roxane. Viens voir. Viens. Oh, un drone. Vas-y, tends ton bras bien en avant. Allez. Ouais. Ce drone est différent. Oui, ce n'est plus le drone que tu as connu. C'est une version améliorée, le drone 2.0, qui peut tirer des projectiles à longue distance. Oh, c'est plus qu'une simple amélioration, c'est une évolution. Essaie de toucher la cible. Sur la cible. Vas-y, concentre-toi. Parfait.
C'est impressionnant, Lily. Tech de la colonie à ton service. T'en penses quoi? Cette gamine, bricoler mon drone. Ce sera très utile pour la mission. Merci, Lily. Génial. Dis-moi si tu venais à manquer de munitions. J'ai apporté ce que t'as demandé. Là. Beau travail, Eve. Qu'as-tu pensé de ta balade en ville? C'était un peu triste. Tellement d'espace vide. Mais bon, partons pour les terres désolées. Oui. Il y a encore des problèmes avec le système de direction du tétrapode. Donc j'ai bien peur que l'on ne puisse pas partir tout de suite. Mais tu seras prêt quand? Malheureusement, ça va me prendre bien plus qu'une journée. Alors je vais commencer à pied. Utilise le drone pour me guider. Quoi? Les terres désolées sont plus vastes que tu ne le penses. Je ne peux pas rester là à attendre. C'est que je veux voir les terres désolées de mes propres yeux. Tu es surprenante, Eve. D'accord, je te guiderai avec le drone. Eve, fais bien attention. Oui, merci. Les terres désolées sont par là. Eve, Eve, j'ai oublié de te dire quelque chose. Il est temps d'améliorer le drone. Viens par ici. Lily, je dois te poser une question. J'ai rencontré une femme grièvement blessée. Elle ne peut pas parler et c'est impossible pour elle de marcher. La technologie de Xion ne suffit pas. Est-ce que tu penses pouvoir lui apporter ton aide? Ben, ouais. Mais tu penses réellement que c'est une bonne idée? Les gens d'ici ont une vision négative de la colonie. Beaucoup se sentent abandonnés. Je veux qu'ils sachent que notre mission n'est pas qu'une question d'apparence. Notre mission, c'est de sauver l'humanité. Ah! Ouais, typiquement Eve. Je vais essayer, mais je peux pas garantir une récupération complète. Par contre, je vais avoir beaucoup à faire. Je comprends. Dis-moi ce qu'il te faut. Je vais t'envoyer la liste. Essaie de pas y passer trop de temps, s'il te plaît. Après tout, on a encore une mission à terminer. Je sais. Merci.
Tu auras besoin d'informations utiles pour manœuvrer en dehors de Xion. Tu savais qu'il y avait une info trafiquante en ville? Je pense que ça vaudrait le coup que tu rencontres cette personne, malgré son caractère. Les sables solitaires s'étendent au loin. C'est la terre la plus vaste que j'ai jamais vue de ma vie. Pourtant, le danger s'y cache dans tous les recoins. Attention où tu mets les pieds. Si tu trébuches, tu pourrais tomber dans les bras de la mort. Très bien. J'ai entré les coordonnées scannées du plateau Levoir. On peut y aller. Y a pas d'électricité dans le camp. Hein? Voyons. On dirait qu'une bonne partie de l'électricité du camp provient des zones aux alentours. Il doit y avoir un problème sur le réseau d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être compliqué. En dehors de Xion, il y a une tour solaire qui alimente les constructions proches. On dirait qu'il y a une sorte de problème avec la tour. Nous allons devoir y aller et vérifier ça.
Lily, c'est quoi ça? C'est très étrange. Oh, une canette. Avant, c'était un conteneur de stockage pour électrolytes. Une canette? C'est sympa. Je peux lire tout un tas de données avec ça. C'est pas grand-chose, mais... je sens encore des restes de souvenirs. C'est une description ou une publicité pour de l'électrolyte. C'est vraiment marrant que tu t'intéresses à de vieux objets. Eh bien, elles ont un certain charme. Mais si ça t'inquiète tant, je pourrais te fabriquer une vitrine pour les ranger. D'accord, alors. Tant que c'est pas une corvée pour toi. Oh, c'est du gâteau pour la seule et unique Lily Artemis. Je vais la préparer tout de suite. Faisons une collection ensemble. Merci, Lily. Oh, c'est un cul-de-sac. Je peux courir sur le mur. Waouh, tu te déplaces bien. Mais pas aussi bien que moi. Pas aussi bien que le drone, tu veux dire. Sur le chemin, tu verras le plateau le bois. Ah, c'est toi, l'ange. Wow, le prophète m'a ordonné d'examiner l'usine et plusieurs autres sites. J'allais rentrer, mais j'ai vu tous ces monstres. J'ai à peine pu me cacher. Tu m'as sauvé la vie, mais je peux te demander quelque chose? Tu as vu une sentinelle en venant ici? Non, je n'ai vu personne d'autre. Une sentinelle chargée de me protéger m'a escorté jusqu'ici. Il m'a caché ici pour me protéger des Night Tiba. Avant d'aller les affronter. Je ne peux pas partir sans lui. Reste ici. Je vais te chercher. Merci beaucoup, l'ange. Il s'appelle Go. S'il est encore en vie, il devrait être dans le coin.
aperçois l'entrée du plateau Le Voir. A-t-on besoin d'un code de sécurité? Non. Mais ça risque d'être compliqué d'entrer à l'intérieur. Hein? Tu le découvriras. Halt, étrangère. Qui es-tu? Kiel, garde royale. Je suis sous les ordres d'Orcal pour protéger les ruines. Tu ignores que cette zone est interdite d'accès? Attends. Attends. Nous sommes là sur la demande d'Orcal. Quand bien même, je ne peux pas laisser entrer de personnes non qualifiées. Non qualifiées? Si tu parviens à me vaincre, tu pourras passer. Bon, si c'est que ça. Thank you.
Halte, étrangère. Qui es-tu? Kiel, garde royale. Je suis sous les ordres d'Orcal pour protéger les ruines. Tu ignores que cette zone est interdite d'accès? Attends. Attends, nous sommes là sur la demande d'Orcal. Quand bien même, je ne peux pas laisser entrer de personnes non qualifiées. Non qualifiées? Si tu parviens à me vaincre, tu pourras passer. Bon, si c'est que ça. Halte, étrangère. Qui est Kiel, garde royale. Tu ignores que cette zone est interdite d'accès. Attends. Attends. Quand bien même, je ne peux non qualifier. Si tu parviens à me vaincre. Bon, si c'est que ça. Bien. J'ai sous-estimé tes capacités à combattre à armes égales les Nightiba Alpha. Ce fut un honneur de t'affronter. On peut entrer maintenant, n'est-ce pas? Oui. Le plateau Levoir est occupé par les Nightiba depuis très longtemps. Personne n'en est jamais revenu vivant. Mais pour toi, j'ai bon espoir. La lame s'est arrêtée de fonctionner. Hein? Le scanner du drone aussi. Attends.
Ce n'est pas bon. Un champ de sécurité électromagnétique inhabituel perturbe le système. Il devrait y avoir des Nightiba par ici. Ah, l'équipement du drone reste possible. Pareil pour le tir de portée. Ah, on doit une fière chandelle à Lily pour ça. C'est plus qu'assez. J'entre maintenant.